Moi, je pense que depuis toutes ces périodes du championnat, et chaque joueur s'est essayé de s'affirmer, surtout sur le plan réalisation. Parce que déjà, Serhou Guirassy étant déjà un joueur très en forme actuellement, c'est une première à voir dans son club à marquer des buts comme ça. Moi, pour moi, il est bien parti, surtout sur le plan médiatique, sur le plan perfection, efficacité, d'être sur la liste, la première liste, disons même parmi les premiers. Et mon choix va vers lui parce que avec son efficacité, moi je pense qu'il est encouragé à pouvoir aller vers l'avant surtout. Quand on voit le critère de la sélection et les performances en club, bien qu'en étant un défenseur, je pense que Odilon Kossono serait mieux parti avec ce qu'il réalise avec le Bayern Leverkusen, aussi champion d'Afrique. Maintenant derrière, en voyant la performance sur l'année civile de Serhou Guirassy, je pense que voilà, il n'y a rien à dire sur le plan des statistiques. C'est largement le meilleur attaquant de cette année. Maintenant, vu ses performances à la CAN, est-ce que ça pourrait jouer pour lui? Nous l'espérons étant Guinéen. Mais une chose aussi, c'est que cette année, ça va être très très serré. Ben, si vous me dites de faire un choix, je vais prendre Guirassy parce que je le côtoie à Clairefontaine. C'est quelqu'un de très bien, il est très gentil et puis il a marqué beaucoup de buts. Et je lui souhaite une belle carrière et puis voilà. Bon, moi je vois plus de Serhou Guirassy moins que d'autres. Vraiment, en vrai dit, parce que moi-même c'est un joueur que j'adore beaucoup. Ça fait vraiment la fierté de l'Afrique. Pour que ce qu'il a fait en Europe cette année, c'est trop, vraiment. Pour moi, la qualité même qu'il a, il mérite d'avoir le ballon d'or aussi, vraiment. Quelqu'un qui a remporté en une seule saison la CAN, il a été champion d'Allemagne. Donc c'est souri que puis il est en Europa League. Donc quand tu prends ces critères, on peut dire que il a l'avantage. Ça, c'est la performance collective. Et cette performance collective pèse moins dans la balance que la performance individuelle. Et déjà que le ballon d'or est individuel. Alors, si Kossény a été très bon avec la Côte d'Ivoire, il peut être aussi être un bon client devant avec Serhou. Mais si nous nous fions à la performance individuelle, il doit être couronné comme étant ballon d'or de cette saison.